ماشي هشام سيدي يشخين عشيون سي بن زادا وبن هشام الضغار كذي أخوز يدواش يشخي بن مولا تغوط شيرو كردان زادا مولا بخنا تخات وميش زوغي المال بن شخين أشلي مودو ولا شخين هذا يشخين مكبرة مولا تغوط ومعلى هشام الضغار بن شرمي دي شفا عينو شفا وخنو دي شفا جشمي كيبيع تغوط يشمعين وكش شخين أشلي بخنا تنفيد مكبرة تغوط زي ولكوار إيش لمالا بنجون من مشي في لمالا لخلو رمات ولخلو رمياخين مسرطين لخلو بزي وشيطو خنوك بكوار رمين ועשה מזה שפגש גשמיות ויורד לזה לעולם. אוקיי, מוכסר, סיכום חייה פת פרוגרם. וזהו בחינת ימין ושמאל שיש בהתורה, אין עורר ימין, בנינה ושמאלה, עושר ורחבות, כי עורר ימין הוא לעולם שכולו ארוך, כמו של אמור. אז כמו נדיק, כי ללונגר די ז'ור, זה... לעולם הבא. זה לעולם הבא, אוקיי. והוא בחינת שפע רוחנות, שבחינת ימין של זאת השפע, העולם שכולו ארוך שהם עולמות עליונים ואושר וכבוד שהוא שפע גשמיות בחינת שמאל. אך לא כל אדם זוכה לזה שיהיה לימוד עולה והשכינה, כי בזה צריך שיהיה אדם יקר ושיהיה לימוד עורת והשכינה, היינו להוקמה שכינתה מאפה ולא כל אדם זוכה ללימוד זה, ואף אם לומד ביראת שמיים וגם אם אומר שלימוד עולה להוקמה שכינתה מאפה, אם קודם יודע, ראוי בכך שיהיה לימודו והשכינה. אוקיי. אוקיי, אבל רק, תוס קומם בזיר. תוס קומם קומפי. תוס קומם קומפי. תוס קומם קומפי זוכה ב... בפבואר... Ouais, ça veut dire que même si lui pense qu'il est, qu'il dit le Shemirhoud, Shemirhoud Shrinte, qu'il le dit et qu'il veut, malgré tout, qui te dit qu'il est au niveau vraiment de le faire, tu vois? Okay. C'est ça qui veut dire quand il dit Imchaf et Imchaf. Alors, le Koladam Zochel Limodze, Imnomet Birat Shamaim Vegam, Im Omer, et même s'il le dit, chez Limodo, le Okma Shrinte, enfin, Im Kolze, malgré tout, Miyodea Imraou Lekar, qui sait si vraiment il est. Ok, Obshien Nimodo Rodele Ashfina, Zaye Shea Torah Yodé, Zaye Fjarla, la Elna Komechona, Vitiba, ou Velia, et Tatma, Zalala, Torkar, Nasal. Elle a dit donc que je vais pouvoir, si j'ai tout bien retenu, comme on a étudié déjà la première fois, et même si son Nimodo, il monte à la Ashfina, ok. Non, même si. Non. Chien, Limoudo, ils sont Limoudo, ils ne montent pas la Shrina. Alors que la Torah, elle est quand même sortie. Donc, elle n'arrive pas, pas à monter au lieu d'origine. Ouais, mais comme, la, sont, nature, comme sont, la nature de cette Torah. Et comme sa nature, elle est élevée en elle-même, de monter. Ouais, mais dans la dernière fois, on avait dit la nature de la Shrina. Mais en fait, on s'était trompé, c'est la nature de la Torah. Ouais, parce que si, je m'aperçois qu'on parle... Ah ouais, parle... parce qu'il a dit « où ». Oui, non, si la Shrina, elle aurait dit « i ». Non, non, il te dit « v'ateva » ou « ateva » ou... En hébreu, « v'tiva » ou... Et « sa nature à elle » est... Ah. Ou « sa nature à elle est ». Tu comprends? Donc c'est féminin, de toute manière. Alors c'est plus... Alors c'est... Non, alors c'est ça. « Sa nature à elle est... » de s'élever et de s'en monter. Et de monter. Voilà, ouais, et de monter. Comment tu traduis? Tu m'as dit déjà Ouftor Kar Matilaina. Matilaina, c'est faire la nuit, mais Ouftor Kar. Et du coup. Et ouais, entre-temps, et entre-temps, et ce faisant. Ce faisant, c'est la nuit. Vezay Yotinkov, gardien de mon chien. Non, pas de faire la nuit. Ce faisant, la nuit tombe. Ok, et donc sortent tous les gardiens de nuit. Les gardiens de la nuit. Les gardiens de la nuit. Ok, on va arriver, on va voir à Kadosh, Ben Maki, Mazem, on souhaite les matériaux, on va aller au Lam, 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 on va donc on a dit parce que la Shrina prend des coups et on l'a fait tomber par terre.
Ok. Là, ils vont taper la Torah et ensuite elle va s'éparpiller comme s'ils vont taper un gros ballon d'eau, tu vois. Et ensuite il va Non, tu m'as dit pleuvoir. que c'était pas la Shrina, c'est la Torah ou la Shrina? Non, c'est tout... Finalement, tout ça c'est bon, c'est lié, hein, mais tout ça en fait c'est la Torah. La Torah Ok, qui a donc pas eu c'est le saut de la Torah monter à la qui s'est Shrina. faite, c'est la Torah qu'on a étudiée, quoi. Oui, la Torah qu'un homme n'est pas du niveau de la faire monter En à sa fait, place. Hein. elle n'a pas monté à la Shrina, donc elle prend des coups et elle retombe par terre. Ok, c'est de ce fait-là que les hommes après peuvent la respirer dans l'air. Voilà, et après tu vois la preuve qu'on dit la bonne chose, tu dis Virkulam, Shoavim, Mizot, à Torah. Et tous vont respirer de cette Et Torah. c'est quoi le ça veut dire quoi Beakitz ou Béchéna? En état d'éveil ou en état de sommeil. Ou les Shimaout à Adam, Shima Gialo, mais à Torah Zot. Ou les Shimaout, tu m'as dit, et même en. Selon la nature de l'homme, chez qui cette Ah ouais, Torah selon la arrive? nature de l'homme qui arrive. Qui arrive de cette Torah. Non, comment tu traduis ça? Chez qui arrive cette Torah? Selon la nature de l'homme, chez qui arrive cette Torah? Ok. Ah, s'il Ouais. fait, il fait à partir de Mimena, il fait à partir Non, d'elle. non, pas il fait. Naasé, c'est un pronom impersonnel. Ça veut dire que c'est un verbe. Ça veut dire que Naasé, Ah, si. il est fait. Il est fait de celle. Il est fait d'elle. Ah, Bon, il fait d'elle. selon la nature de l'homme, chez qui cette Torah arrive, ainsi il y aura une transformation de cette Torah selon le bonhomme, tu vois. Et il sera fait d'elle. Qui a d'un péché à virer sur lui, ma fille, vous êtes né à erreur, c'est quoi? Parce qu'un homme cachère et craint Dieu. À Philo, même les gens de petit niveau, tu vois, les gens qui comprennent pas nécessairement ce qu'ils lisent ou les trucs du genre, tu vois. Voilà, t'as dit chez Macarim, la Torah, et d'où chez une pazou, Avena, c'est l'eau, mais j'ai pas le Torah. Bah, il a fini. Alors, même si, mais disons, tu vois, tu tombes sur un mec, c'est un petit peu genre le mec, il comprend rien, juste Sam, l'habitude de lire comme le Rock, l'Israël ou un truc du genre. Voilà, Alors, lui. Alors ça va monter et attends. Alors ensuite il y a le Tal Torah, il y a de la rosée de la Torah qui va être fait dans le monde. Comprends? ok. On m'a dit Alem, et de ça vient un éveil nouveau. Réchec, c'est quoi déjà? Des nouveautés? Ouais alors attends, je corrige. Si non, si la Torah. Non, pardon, je corrige le tir. Si la Torah, qui n'a pas eu le saut de monter, elle est tapée, elle s'éparpille et elle tombe chez un bonhomme qui est Yirei Shamaim un petit peu, mais qui n'est pas un grand lamdan, tu vois, alors à ce Ah. moment-là, cette Torah-là, elle va se transformer en motivation nouvelle et en cheshek et en désir plus fort pour la Torah, tu vois. Il va ressentir un désir pour la Torah, tu vois. Ok. Ouais. Ok, j'ai compris. Véakol, les filles, Madrigat, Amekabal et tout, selon le niveau de celui qui reçoit. L'Iktsat Ok, na si melo à Torah Trilushim de Roita. Et pour peu d'entre eux, pour peu de gens qui la reçoivent, ça devient des Trilushim. Des Trilushim de la Torah. Comment on l'a dit? C'est quoi? Parce que quand il reçoit plusieurs torahs de plusieurs personnes qui ont étudié en journée, alors ces torahs-là vont se mélanger et ça fait des nouvelles combinaisons qui n'ont pas été étudiées à la base, tu vois. C'est des combinaisons de l'étude de plusieurs gens. Et ainsi, le Ben Adam qui est un peu plus genre captable ou érudit ou je sais pas quoi, bah lui il pourra capter des asagot, ça veut dire des perceptions qui sont des chidushim. Ouais.
Alors, il te dit, si tu as deux catégories, finalement, pour résumer, tu as deux catégories. Tout ça, Vézé, et tout ça, ici, on parle des gens que Kshérim. Ça veut dire que si tu as des gens qui sont Baalasaga, c'est-à-dire qu'ils ont les capacités de faire un chidouche, ça va directement leur arriver en tant que chidouche. Mais si c'est des gens qui n'ont pas cette capacité, mais malgré tout qui sont cachers, alors ça va être une motivation renouvelée. Mais par contre, ici, il te dit, l'ivné Adam Kshérim. Ah, cependant. Et chez Magia, l'ivné Adam, chez Enam Kesherim, quand cette Torah elle arrive chez des gens qui ne sont pas Kesherim, Azaïna CFF misé. Alors la Torah, elle se transforme Avoir. en le contraire de ça. C'est là qu'elle devient la maître de Mélachot. J'ai pas compris pourquoi il dit Ça veut dire que, tu vois, Tal, c'est la ça. rosée. C'est 39, ok, Ouais. hein. Et maintenant, Tal, c'est 39. dans le Zohar, on dit celui qui mérite, alors c'est son travail. Ça va être le tal, ça va se transformer en tal. Ça veut dire que ça va être une bracha. C'est-à-dire que chaque chose qu'il va faire dans son travail, c'est comme s'il avait travaillé les 39 travaux du Beth Amikdash. Par contre, quelqu'un qui n'est pas méritant, alors son travail, ça va être la de klalot. C'est les 39 klalot, c'est dans une autre Torah, ça. Que Hachem, il a maudit le serpent 10, l'homme 10, la femme 10 et la terre 9. Et alors, ses travaux, ils vont être pénibles, comme s'il recevait. Les 39 coups qu'on donnait à quelqu'un qui avait par exemple fait des averot mesouyamot au Beth Amikdash. Je te rappelle, on leur donnait des coups. Alors voilà, donc ici il te dit, celui qui n'est pas méritant, ça va être considéré les 39 melachot, c'est-à-dire interdits de Shabbat, les transgressions, peu importe. Chez Magialo, Adraba, Cheshek, Nimarat, Vetoreut, Chadash, Negiot, Vetichot, Veavodat, Aolamazé. Et là, alors là, cependant, chez les gens qui ne sont pas méritants, ils vont recevoir un réchec et une itoréo tradage pour les choses de ce monde-ci, pour les travaux de ce monde-ci. C'est-à-dire pour tous les efforts, vetrachot, vers avodat, aolam, des gens. Le mec, il va dire, ah ouais, super, j'ai envie de faire des nouveaux business, j'ai envie de faire des ci, et ça. C'est-à-dire que la nuit, a priori, il y a un passage qui dit, Yomam yetzaveh Hashem chasdo, uvalayla shiru emi. Le soir, quand c'est la nuit, t'es supposé avoir en ton moment un réchec pour étudier, tu vois. Et le matin, t'es supposé avoir un réchec pour le business ou ce que tu veux, c'est pas grave. Mais s'il y a des gens que systématiquement, le soir, au moment où c'est la nuit, ils reçoivent des kohot pour travailler, ça veut dire que d'afka, ils sont pas kshérim. Bon, on juge pas. Juste, on explique ce qu'il dit ici. Attends, mais t'as sauté un truc. Attends, t'as sauté un... On n'a pas lu tout ça. Chez Magialo, ça, on l'a dit. Par contre, chez Mamash, Mital, Torah, Aïnou, Bechinat, voilà. C'est ça, en fait, c'est-à-dire qu'à la place d'avoir de la rosée, tu vois, que tu peux boire et que les plantes elles vont boire, etc. et tout, qu'est-ce que tu vas avoir? Le contraire. Bezeat apecha tochalechem. Ça veut dire que tu vas manger ton pain à la sueur de ton front. Et cette sueur-là, c'est pas un truc qui vient minashamayim, c'est un truc qui vient de toi. C'est un truc qui vient par la chaleur de ton corps. C'est un truc qui est pas kadosh, tu vois. C'est pas un truc genre qui t'a été donné. Voilà. Et après, c'est. Attends, juste viens, on prend le dernier truc. Qui est l'immu de la Torah à Ola et à Shrina, car l'étude de la Torah qui est montée à la Shrina a fait. Mais à Yamin, ça veut dire quoi? Parce que de l'étude de la Torah qui est pour la Shekhinah, alors de cela, de la droite est faite, ou mismol me eshumaim. Bon, est-ce que je comprends la formulation? Naase me ayamin. Les small, mais esh, vemaim. Attends, mais peut-être qu'il manque un mot dans ma note. C'est marqué mais esh, vemaim. Mais est-ce ou même Bizarre.
La formulation est bizarrement darkness. Le Mechouvan, c'est comme ça. Parce que deux, du Limud Torah qui est fait pour la Shrina est fait la droite et la gauche à partir du feu et de l'eau. Ah voilà, c'est bon. Et créer l'aspect de la droite et de la gauche à partir du feu et de l'eau. Non, mais c'est pas le limoud qui est fait pour la Shrina, c'est ce qu'il dit. Parce que du limoud, de l'étude de la Torah, qui est montée à la Shrina. Ah, ok, d'accord, oui, Attention. donc là on parle d'une autre catégorie de limoud, on n'a pas parlé encore. Ah, là, on parle du limoud qui est monté à la Shrina. Exact. Nassim et Ayamin qui a été fait de la droite à la gauche. Non, qui a été fait à partir de la droite et de la gauche, c'est-à-dire à partir du feu et de l'eau. Ok, je suis pas au chrono, je suis pas les cheminots. Vous êtes Alimou, Chieno, Yachol, Non mais attends, attends, la attends, regarde. Shrina. Ah non mais regarde, respectivement, respectivement. Naasé, alors, de la droite et de la gauche, c'est-à-dire du feu et de l'eau. Donc respectivement, la Voilà. droite c'est le feu. Il y a un autre Ah passage ouais, qui la dit. droite, le feu, c'est Ouais, la gauche, ouais, ouais. Ouchaniout, c'est la droite, Eshbet le feu, l'amour. c'est la gauche. Exactement, voilà. C'est ça. Et Ruchaniout, c'est le Ceci, feu. on l'a bien assimilé, on l'a Et bien appris, on l'a bien répété. voilà. Gashmiout, c'est l'eau. Ok. Vous avez dit mot chez nous, il y a rôle dans l'autre et la chrina canal, bénit pas dire, canal, n'a jamais, et à mine, et à une, tal, oh, la mettre, mais la route, et puis ma route, et me calmer. Et il dit, en fait, comme là, tu me dis, j'ai compris, il dit, cette étude qui n'est pas pu monter, la chrina, elle retombe dans l'air, comme on a vu, qu'on a vu plus haut. Et elle fait de la gauche, de la droite et la gauche, donc du feu et depuis l'eau. Ah, t'as vu là, elle dit Mea Esh ou Mi Maïm. Oui, ok. C'est pas pareil, là, t'as vu, pourquoi il dit Mi Maïm, il aurait pu dire Maïm, non, ça se dit pas. Non, je crois que Mea c'est Maïm. non, je crois que ça c'est des trucs syntaxiques qui sont pas. Je crois pas qu'ils ont. Je crois pas que c'est. Mais ça, parce que c'est pas le Lashon Rabbeinu, non? Ouais, non, c'est-à-dire que c'est Rabbi Nathan qui a pris le concept et qui l'a écrit. Or, quand il écrit, je crois pas que Rabbi Nathan, il faut faire trop attention à la syntaxe dans ces détails-là, précisément. C'est Stam. Rali. Yamin. Ouais, mais là, si tu... ouais, mais là, tu dis Meryamine. Ah, attends, Ou attends, tu non, fais t'as quoi? raison. Parce que regarde, non, non, t'as raison. Mais Hayamin Vesmol, mais Haesh Vemaim. Alors en fait, je comprends que dans la Torah, il y a Dans une. les deux, il a pas mis deux et dans Ouais, les voilà. deux, dans... Alors là, ça indique quelque chose d'autre. Dans la Torah, il y a une règle. Quand tu dis Ha avant un mot, ça veut dire que tu veux le démarquer dans son importance. Donc en fait, mais Hayamin, c'est de la droite, genre avec un piédestal, Vesmol. Ou mais Ouais, Haesh est tu du vois, feu et de l'eau alors. ouais, je suis d'accord. Ok. Tal, on a mené la route et puis ma route à mes câbles. Alors je vois ça comme ça. En fait, il te dit, écoute, pardon, les allergies de ouf. Il te dit, en fait, la Torah, tu vois, si elle est montée à la Shrina, elle est kadosh, et puis on peut rien faire. Elle est. Non, frérot, je comprends aussi autre chose, tu peux me dire si tu comprends ou pas. Dis-moi. Mais à Esh ou Mimaim. Ça peut vouloir dire aussi depuis le feu, donc depuis le feu de Rabbeinu, ou depuis le fleuve. Quel fleuve? Nahal Ah, c'est Mehaesh ou Memraim? Hein? Tu parles de Mehaesh, ok, ça c'est le feu de Rabbeinu, mais Memraim c'est quoi? C'est le fleuve? Le fleuve. Sur le salut, quoi. Mais alors, mieux Je sais ça pas, il y a un truc bizarre, mais je sais pas. va. Peut-être pas bloqué comme ça sert à Ouais. Non, il doit avoir des trucs, il y a une infinité de trucs dans les trucs de Rabbeinu. rien. Ouais, Regarde. non, parce que c'est clair qu'il a employé un truc quand même qui est assez spécifique. Mais à Yamin, ou Smol, mais à Esh, ou Yamin.
C'est pour pas donner de l'importance à la gauche. Alors, si on commence toujours tout la droite. Ouais, on peut voir comme ça dans un point de vue, genre chat ou... Ok. Vedavarze ou voir Vegashmiout, Mamash. Mais attends, oui. D'abord, je lui là, il a fait une parenthèse, il a dit, okay, mais attends, si quelqu'un, là, genre, il a glissé une parenthèse. Si quelqu'un, il a le sroud d'étudier vraiment pour un limoud qui va monter à la shrina, alors, ça va se splitter entre yamin et small, feu et eau, gashmiout, ruchniout et gashmiout. Ok, mais ça, c'est kadosh, ça veut dire qu'il n'y a pas de genre de bien et de mal, de kasher ou pas kasher, c'est genre kadosh. Par contre, si tu es dans le niveau de limoud qui monte pas jusqu'à la Shekhinah, alors là intervient le fait que tu as le tal, la rosée, ou bien la metet, les melachot, et à ce moment-là, tout dépend du mikabel. Donc en fait, moi je le vois un peu comme Kadosh, qui est l'hébreu, avec Klipat Noga, qui est l'araméen, duquel peuvent téter, et le bien, et le moins bien en fait. Et en fait, c'est comme un peu Shlemikra Vechatagum, tu vois. Et puis à ce moment-là, ça voudrait aussi corroborer avec ce que tu as dit. Parce que le Shnei Mikra, c'est-à-dire que le texte en hébreu qui représente la droite, on le lit deux fois, parce qu'il a une importance plus grande. Et l'araméen, on le lit qu'une fois. Par Putain, contre. je fais l'inverse comme Ahmad. Quel inverse? Ah, tu lisais deux fois l'araméen? Ouais. Et Dafka. En fait, je crois que c'est le Ari Akadosh qui dit, je crois, que l'araméen, c'est ça qui va apporter le Shefa au monde, tu vois. Parce que le monde, en fait, le bien, il va téter directement du. C'est comme un intermédiaire entre le monde et la Kdoucha, l'araméen. Ouais, je comprends. Ouais, donc c'est une birkina qui est importante quand même. Mais ce passage, qu'est-ce qu'on a compris? Concrètement, il nous a pas. Je vois pas. Mis à part ce qu'on vient apprendre à la fin, là, mais Ayam ni Mousmo, mais Aesh ou Mimaï, il nous a pas donné grand-chose de nouveau, là. Non, mais il t'a quand même Il séparé, a c'est vrai. fait juste un. Il a fait un récapitulatif, on dirait. Ouais, c'est ça. Vedavarze ou me voir Begashmiut Mamash qui Adam Nomed Yotim Havalim Non, ouais. Vedim. Alors attends, Vedavar et les paroles elles sortent. Non, et cette chose-là qu'on a parlé maintenant. Tu peux Ah la ouais, là, j'ai voir, pas la compris non plus. transposer dans la gashmiut de ma mâche. Pourquoi? Parce que quand tu étudies, il y a de la vapeur d'eau qui sort de ta bouche. De Havalim, c'est des souffles et des vapeurs. D'ailleurs, quand il Ok, fait ouais. froid, on peut le voir, qui sort de la bouche. Bah, filo im et non, même si parfois, quand tu étudies, tu sors pas ma mâche des paroles de ta bouche. Alcoolisé en tous les cas, mais chash et chef, quand tu t'assois à la CFR devant un livre, et que tu es Mehayen, tu vas Ah, tu creuser. t'intéresses quoi. En tous les cas, tu respires. Veyosim et il y a des fumées qui sortent de toi, des vapeurs. Non, Non, il dit pas de toi, il dit de nous. non, non. Bah, Mimenu, c'est pas de nous. Mimenu, c'est de. En hébreu, ça veut dire de lui. Qui étudie. De lui. Alors, il y a des vapeurs qui vont sortir de ce ben adam qui étudie, Veyesh Bahem Chamimoud, et il y a de. Et dans ces La vapeurs, chaleur. t'as de la chaleur, ouais. La C'est pour ça vapeur. qu'on les voit quand il fait froid. Velechout. Et t'as aussi de l'humidité. Comme c'est su Comme dans la nature. dans la nature. Et voilà que ces vapeurs-là, elles sont l'aspect de Esh ou Maïm. Pourquoi? Parce que la chaleur qui est en elle, c'est Esh. Et l'humidité, c'est l'eau. Ou que Shehenam ne peuvent pas monter à l'endroit qu'il aurait désigné. Et donc la nuit, quand ça se refroidit, tu vois, il n'y a pas de soleil pour l'évaporation. Alors, bah, en fait, la nuit, c'est quoi? La nuit, c'est deux choses. C'est une absence de chaleur, un, et deux, une absence de rayon de soleil pour l'évaporation. Alors, quand ça intervient, alors, Makeh Alehem, boum, Inu Bechinat Agardina Animusim, donc les gardiens. Et ensuite ils vont se dispatcher dans l'air. Ok.
Mais là, il te parle au Et niveau Gashmi, hein. chacun va récupérer des forces de ces taureaux qui sont sortis. Ouais, mais Comment? regarde comment c'est intéressant, parce que Rabbeinu, souvent, il parle de ça. Il te dit, quand t'as respiré le même air qu'un rachat ou un truc du genre, si je me trompe pas, je te dis, ça peut influencer directement. Alors, en fait, l'air mamache qu'on respire, en fait, selon l'humidité dans quel poumon il a été avant, eh ben, ça peut nous... C'est-à-dire qu'en fait, regarde comment c'est complexe. Kaniré, hein, Kaniré, que le nez, Hachem, il a tellement fait bien, avec la Yirat Shamayim que le nez représente, dès que tu sniffes un truc, pas rien qu'une drogue ou un truc, dès que tu sniffes de l'air même, mais que cet air, il a été souillé par quelqu'un d'autre ou sanctifié par quelqu'un d'autre, on dirait que cet air-là, il change ta... il peut te changer. Ça c'est puissant. C'est-à-dire que moi, je ne savais pas ça. Je n'avais pas compris. Tu t'es fait un café ou pas? Alors? Je suis en train de continuer le dimanche, je lis. Hmm? Les deux alors je reprends vite ça. Les deux heures, c'est où me voir, c'est que je suis notre maman qui chez Adam Nomadio Tim, Avalim Vedam, Tim, la pilou, une famille, une autre, une petite pour une pile, une posée, des chats, chez Yoshi, c'est un Ouganien, le Tim, Avalim Vedim, une main, une de la route, c'est la peur de אבנים והעזים שיוטים הם בחינס רשומים שאינם יכולים להרוס ולמקום הטוב שלהם ולדיבר לגמרי כי הם ענה להינו בחינס הגרדים הנמוסים וכל שיוצים על הכנן ומי שבדורים להעביר אותם שיוטים שואבים מהאוויר הזה שואף כל אחד מכוחוס התורות שהיו שני השתזרו באוויר, כן באמת, תו גשמיוס, גאילו, גם כן שני כוחות טוב ורק להעמיס ולחיוס ונעשה גם כן חיוס. מהעיתים העולם מן הרס. ואולי יש כאירוץ מקדם הרוח כך מלמעלה ונופלים למטה ונעשים מהם טון. היו חיוס כל הסבים ובמס ארוך דוס נאמן אנשים שמינים. ריקוד. לטט. Ouais. פרנס כמו שקי. Peut-être. Comme normal. Ah non, mais il n'y a que le taf que Ah mais tu... pourquoi tu veux prononcer en que frère? C'est chelou. Bah non, parce que c'est comme ça, frérot. Ouais. Rabbi Israël, c'est comme ça. Mais Rabbi Israël nous a pas demandé de faire comme lui. Mais je m'en fous, moi je parle des hébreux qui parlent arabe d'Israël. Mais frère, t'es pas né dans une famille yiddish avec un accent kavet parce que t'es né dans une famille yiddish. Mais frérot, t'es un ouf toi, je suis Baal Shem Tov, tu me veux quoi? Ça va, mais le Baal Shem Tov, entre-temps, il est tunisien, frère. Ouais, mais il Ouais, va kiffer le Tunisien, mais ça y est, il retourne aux sources là. je sais pas, ça Il paraît pas retourne aux sources. naturel. Ça paraît pas naturel. Mais c'est normal, il faut de l'entraînement, frère. Mais je sais pas, Faut de l'entraînement. ça paraît pas toi en tant que personne. C'est pas grave. Bon. C'est pas grave. Il faut être au plus proche du prononcé de la Torah. Je me prononce maintenant comme ça, les tadiks, je les prononce fabriqués, tu vois, je les Ouais, mais prononce attends, comme d'accord, mais quand tu vas te marier, frère, je peux. Le guimel, je le prononce comme je peux, guimel, tu vois. quand tu vas te marier, tu vas. Mais ça, c'est que quand je vis en études. Bon, ok. Ah D'accord. ouais, c'est pour étudier à l'étude. Donc on a été à Gam Livni Adam, Orlin, Meatan, Mazikaem, on organisé des vins ruminés, Khalaim, alors Khalaim, Khal de Shalom, Misha Shayesh, Beatal, Shne, Kochos, Mahamis, ou les Apayot, Kanal,
כן מעטים מהתור התנ"ך, נגידי בחינו הסימן שהם ממש בחינו הסתה, להגיד Mais où שהם tu es? עושים את זה קצת Ah, t'as חצי. avancé. Frérot, j'ai bombardé. Voilà, là, yesh kriot, ou ma ka lehem a roi ka milemana, ben ki mamata, finanse mehem tal, ve ou bechinat kol ha savim. Ve ou chiyud, ah ouais, comment on avait dit? Là, c'est l'aspect de la Voilà, il a dit vitalité. chacun va recevoir des forces Ou ben mod, financièrement alors qui ni sont tombées memenu. dans l'air. Na Et sim c'est ainsi shemanim. que la vérité est diffusée dans le monde, quoi. Ouais, mais là il dit qu'en fait ça va faire du gras. Alors en fait, SF, ok, c'est-à-dire que là, tu vois, dans la Torah, quand on dit dans le Kretschma, si vous faites ma C'est volonté, les quoi qui médias. est c'est quoi qui est rousse? C'est la Kairout, c'est le froid. C'est le froid. Ouais, la Qui est fraîcheur. rousse, qui est rousse? Ouais, la fraîcheur. Alors tu vois, alors quand il va avec cette fraîcheur-là, ça va taper d'en haut. Parce que Frère, en le. plus, frérot, oublie tes histoires, je suis tunisien, je suis marseillais, je suis marocain, on s'en bat les techniques d'histoire. Nous, on est nanar, mon frère, on est précis, on est Non, mais nanar, on fait ouais, tout ce non, je qu'il suis fait. d'accord avec toi, mais en même temps, c'est pas ça que je veux dire. C'est que, je sais pas, il y a un naturel qui. Toi, c'est parce que toi, t'es né comme ça, mon frère. Et comme quoi, je suis. Bah, t'es né comme ça, t'es né marocain, et tout ton tralala. Mais moi, personnellement, je me suis converti. Je dois rien à aucun pays, ni à Tunisie, ni la France. Mais non, mais moi non plus, je dois rien, je ne le considère pas marocain. Mais en même temps, ça fait, je me sentirais pas honnête. Moi j'ai une gueule avec des peyotes, avec une barbe, frérot, je suis une tête de cheveux, j'ai pas une tête de Bah non, attends, avec ta tête, t'es quand même séparé, frère. Bah c'est sûr, hein, parce que l'autre il m'avait pris pour un carrément, hein, c'est la meilleure, il m'avait pris pour Un témani. un témanine. Bon, oh non, après ça c'est chacun avec comment il sent. On peut pas savoir ce que l'autre il a dans. On peut pas. Moi je sais que tu le fais sincèrement, juste moi perso je peux pas le faire parce que je me sens pas un avec ça. Bon, moi je me sens un art à 100%, mais moins avec la forme Bah, parfois. moi en plus, moi je vais pas te mentir. Ouais. Depuis que j'ai vu comme ça, c'est beaucoup mieux. Ouais. Ah ouais. Je vois que d'un coup, le langage est bien plus fluide, bien plus joli en plus. Ok. Bon Ouais, alors, on va joli. là, il y a Kerry. Y a le froid. Voilà, c'est ouf. Ouais, il y a le froid. Ou manquer Alehem. Ouais, si tu fais, il va. Ou moquer Alehem. Et il va le taper sur eux. Vers Ruach. Comme il est mal. Hein, et le vent froid qui vient d'en haut. Venoflim, le matin. Et ils vont tomber vers le bas. Venasem Tal. Et c'est la vitalité de toutes les herbes. Ou vehemos, Littéralement. mimenu, et de toutes Littéralement. de toutes les bêtes, les animaux qui vont le manger de ces herbes-là. Mais naasim shmanim. Alors là, on fait comment c'est beau. Il te dit. Que ça que le processus du gras, parce que dans la Torah 60, on aura besoin de savoir ça, tu vois. Comment le processus du gras? Bah, il te dit, Venasim Shmanim, des huiles, des gras, des huiles. Alors, il te dit en fait comment ça marche. L'eau, elle va s'attacher aux herbes, et les béhémotes, elles vont manger ces herbes avec de l'eau, et ça va faire des gras. Mais OK. Yashminim, Shemazik, Lahem, et Odotal. Et il y a des espèces que la rosée leur fait beaucoup de mal. Comme des fleurs, tu vois, il y a certaines fleurs que oui. Mais gam livne adam orchlim les mehatal mazik lahem. Et même il y a des et même les hommes quand ils mangent de la rosée, ça leur fait du mal. Ou magia misé davar ou miner cholaim. Et il arrive de cela des maladies. Hadou shalom. Pourquoi? Nimsa sheyesh be'atal shnei kochot, parce que dans la rosée, il y a deux forces. Les De amites ou les force, chayotes, ouais, de tuer ou de faire vivre, comme d'avoir mentionné précédemment. Ken na ase me la atorot hanal, vitalité. alé de birkinat hanal, chez mamash birkinat hatal agashmi, na ase mise tal, echad, chez amar Torah hazot, achar chez amar Torah hazot, anav amar, aval lo matzati mikra,
או איזה הוא מאמר רבותינו זכרונו לברכה למצוא בו דברים האלה. הנה מי שנפת חו... רבינו ילדי שנפת חווה. Dans les écrits de nos sages ou un texte dans la Torah qui vient référencer ces choses-là dont il a parlé. Efchar et Matsehad, il dit c'est possible que un parmi vous dans les générations futures, ou voilà, et Matsehad, Shiucha, Limto, Dvarimele, Beze, Mekra, que quelqu'un pourra trouver cela dans une Torah ou dans un. Dans, pas dans une Torah, dans un écrit de la Torah. Ou dans une parole de nos sages, on iskir azma shama rabbi Yoshua, et il a rappelé ce qu'il a dit Yoshua dans la Gemara Sota Kavzain, mi igale afar menecha, qui pourra enlever la poussière de tes yeux, Rabban Yochanan ben Zakkai, shehaida omer ati dor echad, parce que comme il a dit, un jour il y aura une génération, pour que tout le monde soit des tzadikim, etc. Shehen lo mikra, ah non, c'est autre chose, shehen lo mikra min la Torah, qu'il n'aura pas une seule endroit dans la Torah qui ne sera pas révélé devant eux, Nirali. Ve'alo Rabbi Akiva Talmidecha Motse lo mikra min la Torah. Ah. Non, voilà qu'il y aura une Ok. Voilà qu'il y aura une génération. Bon, peu importe, en tout cas, qu'il n'y aura pas un smart dans la Torah. Et voilà que Rabbi Akiva, qui est ton élève, il a trouvé un mikra, ce que tu as dit. Mais moi, en fait, je crois que je sais pas le. Ve'achal. Comment c'est quoi le passage dans le Kriyat Shema? Ve'achalta ve'natati esef ve'sadecha livamtecha ve'achalta ve'savata. Je crois que c'est... Ouais, esef ve'sadecha livamtecha. Ah, et ben voilà. Frère, t'as vu? Esef ve'sadecha. J'ai déjà vu un autre pirouche ailleurs qui disait que... C'est quoi ve'sadecha? Et voilà que j'ai trouvé des. Je vous ai donné des SF, des herbes. Besadecha. Altikre besadecha et la beshedecha. Ne lis pas dans ton champ. Tu peux le lire dans ton shed. Dans ton shed, c'est un shed, tu sais quoi. Et le shed, c'est marqué dans une autre Torah que lui, il va prendre la vitalité entre le ciel et la terre. Ça veut dire entre cela, c'est comme un petit peu cet aspect de la Torah qui reste coincé entre le ciel et la terre. Le shed, il se nourrit de ça. Et donc, en fait, si quelqu'un il a goûté la mauvaise rosée ou bien il n'est pas cachère, c'est l'aspect du shed qui va prendre la vitalité du côté du mal, tu vois. Mais si la personne il est cachère, alors à ce moment-là, il va laisser la vitalité au shed, mais lui, il va prendre que le bon du mauvais. Et aussi autre chose, Altikre Besadecha et la Beshedecha. Ne. Non, mais attends, c'est-à-dire que ça devient hyper dangereux. Le mec que tu dis, qui n'est pas caché, frérot. Mais il devient un Shed Yehudi. Bon, ça corrobore une autre Torah. Ah ouais, mais attends, frérot, moi je suis pas forcément un caché. Mais non, mais t'es caché, frère, parce qu'en tous les cas, t'es à ta. Qu'est-ce que ça veut dire caché? Prends le mot caché. Ah non, parce que j'ai déjà étudié. Gmara, c'était sur le traité Yehoud. On comprend rien, Gmara. On comprend que ce que Rabbeinu dit. Ouais, mais en attendant. Selon la Gmara, frère, on est des Rechaim Gmurim, donc oublie. Mais selon Rabbeinu et genre la Torah, lui, il nous explique, parce que finalement, il n'y a que Rabbeinu. On comprend rien. Non, ça, parce qu'elle expliquait ce que c'était un homme cachère. Non, c'est celle que j'ai étudiée, la vérité, je m'étais dit, j'aurais, putain, ouais, je rentre même pas dans les hommes cachés. Mais oui, mais c'est normal, ça, parce que c'est des normes qui s'appliquent pas à notre génération. En tout cas, cachère, frère, c'est... Bon, après, tu peux aussi dire, il y aura une génération, est-ce que trouver un homme cachère, ce sera qu'un chidouche comme le Baal Shem Tov, donc oui, ça, c'est par rapport à la définition de la Gemara. Mais en même temps, cachère, c'est quoi? C'est kashura, c'est ça que ça veut dire en hébreu. Ça veut dire comme la lignée. Si t'es dans la bonne ligne, alors c'est bon. Alors si t'es vraiment attaché au tzaddik, et que t'es conscient que t'es pas parfait, et que t'as plein de défauts, mais en même temps tu dis, écoute, moi je vais me parfaire, je vais réussir, je vais prier, et tu dis nanach, et tu veux t'attacher au tzaddik, ma baya, c'est-à-dire que t'es kasher. Mais si quelqu'un il dit, en tout cas il est dans la ligne d'être kasher, il est ce qu'on appelle bichlal kasher, il est dans la généralité de quelqu'un kasher, même s'il n'est pas encore kasher. Attends, j'ai encore juste de petites Torah minuscules là. Ouais, attends. Mais un dernier truc, parce qu'ici il a dit à la fin, il a dit, Rabbeinu, il a dit, j'ai pas trouvé de mikra, mais c'est possible que quelqu'un en trouve.
Alors là, je suis en train de me pencher là-dessus, Bezrat Hashem. Ah, écoute, il y a un deuxième pasouk. Mais Esef Vesadecha Livamtecha, un autre pasouk, c'est quoi? Un autre pirouche. J'ai donné l'herbe dans ton champ. Altikre Vesadecha, ne lis pas dans ton champ. Et là, Beshedecha, dans ton sein. Un sein, mamash. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans une autre Torah que si un homme y tète d'une femme cachère, alors le lait qui va sortir d'elle, il va lui donner de la chaleur. Chamimut. Il va lui donner de la chamimut dans la Avodat Hashem. Mais si il tète d'une femme qui est chatsoufa, n'est pas kasher, qui est chatsoufa, alors à ce moment-là, ça va lui donner le désir pour Tavat Niouf, tu vois. Et en fait, le lait de la femme, c'est un mélange de tzmachim et de gras, comme on a étudié. En fait, c'est comme un petit peu la rosée. Donc par rapport à ça, tu vois, c'est Esef Besadecha Livem Techa. Donc Dafka, il y a, moi je dis, je crois que ça c'est Dafka un smart. Bon, c'est quoi les deux autres Torahs? Y en a une où je comprends pas tout. À un moment, il dit super. Il dit comme ça. Bon, d'abord, comme ça, super imi. Mais il n'y a qui est vert, Abba Hashem Tov, Sur Tzadik Bekadosh Mais c'est Ivracha, laquelle? Chez Tov Meot, Kouf Tête. Ouais, J'ai pas tout fini. compris, la fin, elle dure 3 lignes. Super Emmanuel Tirel, Abba Hashem Tov, Zachar Tzadik Bekadosh Ivracha, Chez Tov Meot, Liyot Sham, Al Kirvo, Vehamar Ki Tzadikim, Yelchou, Aaretz. תהילים ל"ז, היינו שהצדיקים מוציאים יורשים ארץ ישראל שזוכים שמקום נזעתם Mais הוא attends, קדוש t'es dans בקדושת Tignana? ארץ ישראל. T'es dans Tignana? Ah si, ouais, je suis en Tignana, t'as raison. Pourquoi il n'y a pas de Tignana? C'est moi. Ils ont fait un écouté moine sans Tignana. Bon. Alors je vais faire qu'écouter alors, parce que je ne l'ai pas. Je le relis. Ouais. Oui. Donc, si Périmi, Ménian, Kéver, Abba, Hashem, Tov, Déchardé, Yévorcha, Vekadosh, Yévorcha, Chétovnyod, Liyot, Cham, Al, Kirvo, Véhamar, Tzadikim, Mirchou, Aret, Télim, Amedzaïn, Ayemnu, Chétovnyod, Tim, Yorchim, Eret, Israël, Chézochim, Chim, Mekom, Génizadam, ou Kadosh, Bikushat, Israël, Mamash, Véret, Israël, Tikkun Gadol Kamarouit. Ok, ça veut dire qu'il y a des tzadikim qui ont hérité, Yershuaret, ils ont hérité de la terre d'Israël. Et donc, le fait d'être alors Kever, c'est un aspect d'Eretz Israël. Et Eretz Israël, elle est Metakenet le Brit. C'est un grand tikkun pour le Brit. Et Et voilà, c'est là ça. maintenant ça. Anna Vehamar Rabbeinu Zechono Livracha. C'est la fin d'une Torah, mais bon, c'est que cette partie-là que j'ai pris, donc c'est comme ça que ça se passe, hein, si tu veux. Et quelle Torah? Ah oui, c'est la fin, c'est pour ça que j'ai mal pris le truc. Alors? Moi, je te dis que la fin, tu vas voir, c'est une conclusion. Anna, ça veut dire il a répondu. Mais quelle Torah? Kouf, Yud, Tet. Dans Mais Tignana. écoute, tu vas voir, c'est facile à comprendre. Ok. Anna ve'amar Rabbeinu Zichrono Livracha. Ine akol omrim sheyesh olam hazeh ve'olam haba, ve'ini olam haba. Anu ma'aminim sheyesh olam haba, efshar, yesh gam olam hazeh, gam ken be'ezeh olam, ki be'kan nireh, ah ouais, qui c'est? Attends. Be'ezeh olam ki be'kan nireh, sheyu ha'geinom, ki kulam, מלאים איסורים גדולים תמיד, ואמר שאין נמצא שום עולם הזה כלל. Ouais, ok. C'est-à-dire Je comprends le que début, mais dans une autre Torah, je crois peut-être c'est dans cette Torah ou dans une autre Sira, Rabbeinu il dit, le monde pense qu'il y a, il dit, vous savez, le Géhenna et le Gan Eden, c'est dans ce monde-ci, mamash. Ils peuvent se trouver dans ce monde-ci, mamash. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de Olam Hazeh. Tu comprends?
Il finit en disant ça, en fait. Il dit, j'ai une mincha choumola Ouais. mais comment je comprends pas comment il dit qu'il y a. Ça veut dire que ce menti, ça peut être soit l'un, soit l'autre. Parce que c'est vrai qu'il avait atteint un niveau qu'il pouvait arrêter le temps, tu vois. Donc si Non. t'arrêtes le temps, il n'y a plus de la magie. Oui, mais il parle pas ça pour lui, il parle pour nous. Ça veut dire que nous, quelqu'un, Chazé Shalom, qui fait une mitzvah, bah, il est au Gan Eden, Tachlès. Quelqu'un qui fait une Avera, le poids de sa Avera, il est tellement lourd, c'est Geinam. C'est comme ça que je le vois. Acherez-nous. On a fait une bonne étude, bon prochain. Marco la Torah chez lui, Kula Kalimot. Toute ma Torah, c'est que des introductions. Ah, tu imagines. Introductions à quoi? À Nanar. Parce que Nanar, c'est le Hein? Tahlit. Des introductions à quoi? À Nanar. J'en ai que des. C'est bien Quoi qu'il aime tout ce qu'il a dit, tout le Dibourim, mais à la fin, j'avais jamais fait gaffe. dans Tignana? Bah, à la fin du côté moral, il a écrit Sirot, Mimaalat, Torato, Ousfarab, Deshi. Ouais. La Torah chez lui, Kula Bechinot. Ma Torah, ce sont des aspects. La filoumi chez nous, Shomer, Dibou et Torah, Shomer, Rak, Kol, Levad, ou bien Kentov, Meod. Nishma Bekol Devaro Non, tu vois, il Taika Rafino Mishiwak Omed Babaï Tetzel Atora Shomer Tov Neon Neon Bishio. Allah, c'est magnifique. Il dit même si t'es tout seul chez toi, mon pote, lis, t'en fais pas. Vas-y. Ouais, même si tu lis Ce et que tu sera très bon comprends pour toi. pas, c'est déjà quelque chose de très 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 bien. Asseyez nous. Toi, frère. Merci, merci de m'avoir appelé. Grâce à toi, j'ai pu étudier une petite heure. Ah, c'est bien ça. Et il faut qu'on fasse ça plus souvent. Bon, prochain, asseyez nous. C'est bien. Ça fait longtemps qu'on voulait le faire. T'as vu, hier, on s'est pas découragé. Frérot, je voulais savoir c'est quoi qu'on appelle les parpaillotes. Les parpaillotes, c'est des papillons. Ce que tu as autour de toi chez nous. Arrête, dans le côté marin, des fois, on me dit, toi, il y a parpaillotes, pas parpaillotes. Les parpaillotes, les chokhmah, non? C'est un Ouais. commentaire sur l'écouté moine qu'il a écrit. Qu'il a écrit le C'est rabbi Nathan. quoi? C'est quoi? C'est quoi? Des papillons. Ça s'appelle vraiment les papillons de la sagesse. Ouais, des petits papillons de sagesse, là, des petites. Mais qui c'est qui a écrit ça? Je sais pas, je crois que c'est le rabbi Nathan, c'est un. Je sais pas exactement ce Ah, c'est qui. encore un ordre d'élève? Ouais. C'est des élèves validés, de toute façon. Hmm? C'est des élèves validés. Oui, c'est validé. Beaucoup d'élèves validés aujourd'hui qu'on connaît ou pas? Bah, je crois que Rabbi Israël, Ouais, il a cherché tout le monde. non, il n'a pas cherché tout le monde, il a fait une liste. Elle a ramassé, hein, t'as vu, il a ramassé, hein, notre pote. Quel bol.